Lascio adesso la parola a Thomas Spiegelberger, che è il referente all'interno di SPA di questo progetto, quindi diciamo, la persona che in Francia è stato l'animatore di questo progetto, che presenterà i risultati delle esperienze ottenute in Francia. Una precisazione, io forse non ho sentito perché non avevo presente tutta la presentazione. Quando si sono confrontati in questa prova le parcelle riseminate con la nostra miscela, a fronte di quelle con la miscela commerciale, le dosi non le abbiamo scelte noi. Nella semina commerciale, quelle dosi che venivano presentate, da 15 a 50 grammi a metro quadro, sono le dosi che le imprese autonomamente adottavano per il loro protocollo di cantiere. Quindi noi abbiamo scelto cosa seminare nella nostra parcella. Quelle di fianco erano un confronto con una situazione reale di una impresa che decide le sue tecniche e modalità di inerbimento in modo autonomo. Merci Mauro. Mon nom c'est Thomas Spiegelberger, donc je viens de ISTA. Et tout d'abord, j'aimerais bien excuser ma collègue Eva-Marie Accord, que certains parmi vous ont bien vu lors des derniers colloques à La Plagne. Mais elle s'excuse pour aujourd'hui parce que son petit-fils est malade, donc elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et donc je suis là à sa place parce que c'est quand même essentiellement elle qui a mené la plupart des choses que je vais présenter. Donc, comme j'ai travaillé un peu tard hier soir, j'ai pu en profiter de la présentation de ma collègue Annalisa et j'ai pu l'adapter un peu ce qu'on a fait côté français. Donc, nous, on a commencé tout d'abord avec une étude sur la demande potentielle en semences locales. Ensuite, on a travaillé vraiment sur l'utilisation, c'est-à-dire, nous, on a dit, qu'est-ce qu'il y a déjà en place? Il y a certains petits exemples des agriculteurs qui ont déjà utilisé surtout la fleur de foin, c'est-à-dire le fond de grange qui est utilisé, et on a fait une première étude sur cet aspect-là. Ensuite, nous, on a travaillé plus par rapport à la récolte, à une comparaison de quatre différents types de machines. Je vous montrerai les résultats d'ici quelques minutes, avant d'avoir mis en place deux exemples d'un ressemencement, à La Plagne, à la station de ski de La Plagne, un deuxième dans le parc national de la Vanoise autour d'un chalet d'alpage qui était, pardon, d'un refuge qui était réaménagé. Et comme pour toute étude, on essaye maintenant de faire le monitoring, l'observation sur plusieurs années. Donc, commençons d'abord avec cette étude sur la demande. C'est la demande sur la partie Alpes du Nord français, c'est-à-dire essentiellement sur les départements de la Savoie, Haute-Savoie et de l'Isère. Cette étude était faite par enquête. Eva-Marie a contacté presque, je pense, toutes les stations de ski, plus des personnes qui tournaient autour, mais aussi les communes et d'autres organismes. Dans l'organisme, c'est les parcs nationaux et régionaux, c'est l'ONF, donc l'Office national de la forêt, mais aussi certains autres organismes. Ce qu'on constate, c'est premièrement qu'il y a à peu près 600 hectares chaque année à revégétaliser. C'est des chiffres qui donnent une moyenne sur les 4 dernières années. Donc, c'est des montants quand même assez importants. Et le plus grand utilisateur des semences sont les stations de ski. Forcément, c'est là où il y a la plus grande partie des travaux qui sont envisagés. Si on fait une estimation, ce que je vous ai mis en bas, où on utilise à peu près 66% donc, des semences, pardon, 75% des semences qui sont utilisées normalement, si on utilise des semences de commerce, parce que les semences locales sont mieux adaptées, donc on a besoin un peu de moins, ça fait à peu près une demande annuelle qui se situe autour de 10 tonnes par an pour terrain des Alpes du Nord. Sachant que Angèle, elle va vous présenter tout à l'heure un peu le coût qu'on a estimé,
Je vous donne juste une impression pour la partie Alpes du Nord français. Le marché potentiel se situe entre 1 million et 3 millions d'euros, grosso modo. Donc c'est quand même quelque chose que je estime pas du tout négligeable. Comme je disais en introduction, on faisait une enquête sur les sites qui sont déjà mis en place. Franchement, quand on commençait, on pensait qu'il y a quand même plusieurs petits cas où des stations de ski ou des agriculteurs ont pris un peu le fond de grange, ils ont tout ramassé, ils ont utilisé ça comme une semence gratuite et qui ressemble quand même à ces semences de préservation qu'on utilise ici. À la fin, on s'est retrouvé pour toute la zone sur laquelle on travaillait finalement avec 5 stations où on essayait de comparer des semences type fond de grange à des semences commerciales ou des semences de commerciales aussi. Où on a comparé les semences commerciales et la végétation de référence ou les semences plus type fond de grange via la végétation naturelle. C'est qu'on a constaté, premièrement, on n'a pas assez de sites. Il y a une très, 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 très grande variabilité. On l'a déjà vu avec l'exposé d'Analisa, il y a une très grande variabilité entre les sites. Donc, nous, on a surtout vu qu'il y a des sites où ça marche au premier coup d'œil, et il y a des sites où ça marche beaucoup moins. N'empêche, on ne savait pas si c'était les semences du commerce ou le fond de grange. C'était vraiment, on ne voyait pas ça au premier coup d'œil. Par contre, si on, à nouveau, comme pour tout à l'heure, il n'y a pas une différence significative, mais on a vu quand même qu'il y a une légère tendance vers plus d'espèces si on utilise les fonds de grange et une tendance vers une meilleure digestibilité, donc là c'est la qualité fourragère de ces semences de préservation. Troisième type d'étude qu'on a menée les deux dernières années, c'est une étude où on a comparé la grande brosse que vous avez vue tout à l'heure sur le site de la Plane en action avec 3 autres types, cette fois-ci portés ou poussés par un bonhomme ou une bonne femme. Un aspirateur automoteur qui ressemble à une tondeuse qui aspire, qui met tout dans un sac derrière. On a eu un aspiroployeur, c'est essentiellement le même outil que vous voyez pour ramasser les feuilles, mais dans le sens inverse, ça aspire. Et une brosse tout à droite, manuelle, qui est assez lourde à manipuler. Je pense Mauro qui l'a déjà fait pendant toute une journée pour raconter une histoire. Au niveau d'efficacité, on a à peu près la même efficacité pour la grande brosse, c'est-à-dire la brosse auto-tractée et de ce petit aspirateur, la deuxième photo, type tondeuse. Si vous regardez la colonne à droite, la productivité du travail, nous on a mesuré en graines pures, en kilos, par heure. On arrive à peu près aux mêmes quantités, c'est-à-dire on recueille 1,3 kg sur ce site de la Plagne à une certaine date qui était en 2013, était fin août. C'est-à-dire on a fait une seule récolte sur un seul site. On a bien vu, et ça c'est l'avantage de ce projet Interreg, on a d'autres informations côté italien qu'Analisa vous avait présentées, que les différences entre les sites peuvent être énormes. Et forcément, donc le rendement change d'un site à l'autre. Les deux autres outils sont beaucoup moins performants et pour vraiment utiliser plus pour une récolte très 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 spécifique de certaines espèces qui poussent en touffe. On veut vraiment récolter essentiellement qu'une seule espèce. Ben, une fois qu'on avait récolté tout notre matériel, il fallait bien qu'on en fasse quelque chose. On a eu la grande chance que la SAP, la Société d'aménagement de la Planète, nous a mis en disposition en accord avec le groupe en pastoral
plusieurs sites sur la station de la Plaine. Et en fait, on a fait une démarche où on compare, et je parle bien au présent, parce que c'est des travaux qu'on est en train de faire, compare une récolocation naturelle. Ça veut dire ça, c'est on laisse le sol nu, on regarde ce qui se passe. Et des semences des commerces, en l'occurrence ici c'est le mélange des trois vallées, c'est une des mélanges les plus utilisées en France pour les stations de ski, avec le reste qui est dans les granges, le fond des granges, et deux différentes densités des semences de préservation récoltées sur le site 200 mètres plus haut, grosso modo. On a mis tout ça en place donc en 2013, et je vous montre très rapidement deux exemples des résultats qu'on peut obtenir. Je voudrais juste vous avertir, ça c'est des résultats de première année. Et deuxièmement, c'est des résultats après un traitement du sol qui était très adapté. Et vous voyez ça si vous regardez la colonne de gauche, ou sur la succession, c'est-à-dire là où on n'a rien fait, on a sur notre ligne de lecture déjà une vingtaine d'espèces. Et pour la partie expérimentale, en tout, on a, comme pour les autres, entre 32 et 27 espèces. C'est-à-dire, après cette première année, on n'a aucune différence significative pour cette mise en place des cinq différents modalité. Par contre, là on voit dès le début une différence, c'est par rapport aux espèces qui sont sur place. Au premier coup d'œil, vous voyez peut-être que les quarts orange sont différents, les quarts d'orange comprennent toutes les autres espèces qui étaient présentes à moins de 5%. Par contre, là où je vais essayer de vous guider, c'est que vous avez vu avec le tout premier exposé d'Angèle que les espèces non desserrées, ben ça serait bien quand même de les avoir à des quantités très petites. Donc moi je suis ici, et tout à l'heure c'était bien à la place, maintenant ça s'est un peu décalé. Je veux vous concentrer sur deux espèces, le toucilage et Plantago major. Et sur ces deux espèces, en fait, si je regarde les trois différents types que je vous ai mis en place ici, sur la succession, on a à peu près 16% de surface qui est occupée par ces deux espèces. Sur le mélange sémences des commerces, on est à 11%. Tandis qu'avec les sémences de préservation qu'on a mis en place à des quantités relativement faibles, il me semble que c'était 6,5 grammes par mètre carré, donc c'est vraiment très très faible, on arrive à des taux qui sont moitié moins importantes que pour les autres. Un deuxième focus que j'aimerais bien faire, c'est par rapport aux des espèces qui sont importantes pour la révégétalisation. Et là, vous voyez souligné ou plutôt encerclé Festuger Rubra et les Pâturins des Alpes. Et vous voyez que pour les sémences de préservation, on est à un pourcentage d'à peu près un quart, 26% en total. Et si vous regardez les autres, on est à des quantités beaucoup moins importantes. Pour les sémences de commerce, on est à 8% parce qu'il n'y a aucun festuc qui a pris sur cette parcelle-là. Et sur les parcelles de succession naturelle, il me semble, ont été à 6%. Pardon, je me suis trompé, on est à 6% pour la succession, parce qu'il n'y a pas de festuc qui a pris, et on est à 19% pour les semences des commerces où le festuc a bien pris. Pardon. On a fait une deuxième expérimentation en collaboration avec le Parc National de la Vanoise, autour d'un refuge, où on a récolté notamment avec cette machine-là, où vous voyez Eva Maria à l'œuvre. En fait, comme vous le savez maintenant, cette machine, c'est la machine la moins efficace. Donc, ils sont passés à 3 ou à 2 ou à 3 beaucoup de temps pour un résultat qui était moins bon. Mais en tout cas, ça nous a permis à installer sur ces parcelles que vous voyez en bas. Je vous présente pas de résultats. Je vous laisse juste apprécier
les différences de couleurs que vous voyez sur la photo de droite. À gauche, c'était juste à la mise en place, et à droite, c'était donc quelques mois plus tard, où les premières graines ont déjà repris. Et sans que, il faut juste vous me croyez sur parole, en haut à droite, près du ancien refuge, c'est la partie avec les semences locales. Par hasard. Donc, je suis arrivé à la fin et j'aimerais bien vous remercier pour votre attention et j'espère que je parlerai assez doucement que